Y a pas de pause en fait, il relance instantanément. Bon bah du coup on est reparti. Donc cette fois c'est Nadi. Je crois que c'est les mêmes innis. Sauf que ouais, ils ont échangé Eka et Nu les bleus. Est-ce qu'on va assister à un remake du remake? Allez, misez vite, je coupe bientôt les prédits là. Dépêchez-vous. Ah, toujours ce mot d'envol sur Garfield. Enesu qui passe son chauffeur lancier. Et on finit en portant le Yop. Ok, il n'y a pas de PA donné par le chauffeur. Do plus 4 plus 2. Non, on change pas de compo. Ah, il était pas loin. 4 moins 1. Enfin, bon, il avait les PA quoi. Par contre, plus 4 moins 1. Bon, tu perds un PM, c'est sad, mais. Les plus 4 PA là, il régale. En plus, il y a un chauffeur lancier. Et évidemment, Vrak va répondre avec le sien. Ouais, 3 PA, il est en 23-3 Garfield. Ah, et cette fois-ci, pas de critique pour Vrak. Et on descend du panda. Se booster. Bon. De toute façon, il est protégé, Vrak. Ils sont loin encore, les bleus. Quoique. Il n'y a pas de mot d'envol, hein. Il a été donné à l'Eka. Qui? Et ça passe. Et ouais. Il aurait pu descendre, mais je pense qu'il fallait pousser le chauffeur et se replacer là. Là, il a offert la ligne de vue à Jedha. Et on donne l'accel à Garfield, il est en 23-7. Déjà, en full opti 23-7, c'est terrifiant. Mais alors, en limitation 18 PAPM. Allez, on va se débarrasser du sac pour Nadi, le critique. Allez, double mot interdit sur le Doppel et nu. Yamashina. Place comme pour un stimu, mais il y a déjà le stimu qui a été posé. EC Doppel, ça fait mal, mais ils ont tellement de PA qu'il peut remettre son Doppel en fait. Lapino, c'est sous côté. Bah, les Lapino, ouais, il faut souvent les focus, hein. Pas les laisser en vie, les Lapino, c'est très très fort. Ça a beaucoup d'HP, hein, ces trucs là.
C'est pas feu, c'est cancer à tuer. La fail Lenny? Oui, la fail. Bah, qu'est-ce qu'il y a à la Libé? On essaie de chercher de la langue râpeuse. Bon, ça ne crit pas, malheureusement. Et non, zéro crit! Ça a mis quelques dégâts, mais ouais, c'est dommage. Il pouvait pas l'envoyer vers l'avant, il était là, les gars. Il y avait ça. Non, c'était pour aller envoyer des. C'était pour envoyer des langues râpeuses. Il va trouver une arachnée majeure pour Vrak. Bien fail. Ah, j'ai pas vu le move, j'ai pas trop vu le move alors. Y a moyen de la tuer cette arachnée. Après, il y a l'Enu hein, qui peut envoyer des roulages de pelle. Très bien de la tuer très vite. Avec un panda, on peut s'en servir facilement. Finalement, on va focus Nessou. Et on laisse cette arachnée en vie pour le moment. Soigner le panda avec somme curative, mot de sacrifice. Et on, ouais, bon, on annule totalement les dégâts qui ont été placés sur le pandawa. Et mode immo sur Zeta. Prendre Jedi, il a 172% d'esquive. Qu'est-ce qu'on cherche là? Une caouette ici? Pas moyen de tonneau, il y a le Doppel qui gêne. Ça va envoyer le Wasta sur Garfield. Et une Kawotte pour se protéger. Bon, pour l'instant, ça ronfle un peu. On arrive à la fin du tour 3. La colère, c'est pas pour tout de suite, et je pense que tant que Faded ne rush pas, il va rien se passer avant la colère.
Allez, Garfield qui veut essayer de détruire cette kawotte. Que la one shot. Il dirait qu'il a beaucoup de PA, Garfield. Hein. Ah, il arrive pas à crit Sericop. Il va laisser tomber et se replacer. Il reste 9 PA, il peut double récop le Wasta. Il aura pas le temps de mettre le deuxième, c'est dommage. Pas trop où mettre ma timeline, moi. Ah, il y a les cupides, donc forcément le chaton il soigne énormément. Bon là ça va, c'est sur une invoque. Et on tue Doppel et nul, donc ça fait une cupie en moins. Il part à la chasse Doppeliob, mais il se fait tacler par le Doppelini. Lui aussi il tape fort, il est bien boosté. Allez, ça tue le Wasta. Et ça continue de rouler des pelles à Nissou. Mais bon, il y a toujours son Nini au-dessus qui peut mettre un curatif tranquillement. Ah, ça a même utilisé le mot de sacrifice. Bon, on a eu du spectacle sur les deux premiers combats, mais là, ça ronfle. C'est pas le même type de map. Alors, Yamashina. Et ça veut détruire cette kawotte pour donner de l'espace à Garfield. Ouais, c'est Doppel serait déjà mort sans les soins de Lenny. Du chaton, pardon. C'est pas un Lenny, c'est un chaton. Tonneau. On remplace la kawotte par le tonneau. Allez, tour 4. Et Garfield qui part à l'aventure. Avec un bond du félin et la ligne de vue sur Lenny, 21 PA. Il y a une proba non nulle de tuer Lenny là. Ok, non, j'abuse un peu. J'abuse un peu, mais il passe tous ses récops par contre. Bon, Lenny qui se trouve à 1200 HP. Par contre, Garfield est énormément explosé. Par contre, Vrax, s'il veut aller taper, il va falloir descendre du panda. Par contre, il a 17 PA. La maîtrise puissance, il a un peu de dos. Ah, il va y aller, hein, Vrak. Muti, triple coup d'arc. Garde terre. 40% de terre sur Garfield. Ouais, il se fait découper, mais le CK de Vrak, heureusement, c'est le dernier tour. Enfin, le dernier coup, pardon. Il a quand même pu en placer deux. Mais on peut pas se replacer. En plus, il aurait pu rester là. Il avait la portée d'ici.
Le Doppel qui tombe. Ta retraite. On vient de taper sur Lenny. On va le forcer à utiliser la reconce. Donc la reconce tour 12. Ouais, ça protège Garfield avec cette preuve. Et Garfield, avec la retraite, il pourra continuer de taper sur les adversaires. Bon, il y en a sous. Ah oui, on l'a déjà debuff. Ok, avec le Jouvence. Il y en a sous à CPM. Il va falloir replacer tout le monde. Là, Garfield, il fait pas rigoler avec ses 23 PA toujours. Ouais, la retraite. Parce que. Attends, mais il y a la colère là en fait. Non, mais les cas et. Bon, il n'y a pas trop de PA sur le panda, on va pas pouvoir vulner vraiment. Ça vient chercher les cas. Et ça le debuff. Ouais, mais du coup, il a le CPM s'il se fait des buffs. Et il peut pousser l'Iop. Mais. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va admirer en silence. Non mais là, Iron, en fait, absolument tout aurait été mieux là, je crois. Il a relancé sa colère quand même. Mais du coup, il y a toujours la corruption disponible pour Jeda pour la prochaine colère. Allez, ça vient mettre des coups de baguette sur Garfield, 1900 HP. Son ennemi est loin, mais il peut rejoindre. Allez, du sacrifice. Bon bah du coup ça n'avance pas trop cette histoire. Y a 1-1 là, tease.
Pelanie qui réfléchit, met tout son cerveau à l'œuvre pour envoyer des mots blessants sur un mot d'épine. Bien joué à lui. Allez, cette fois-ci, on enferme Garfield. Il a plus de libé. Tente le destin sur le chauffeur. Et le problème, c'est qu'il a que 11 PA. Ah, ça passe pas. Voilà, roulette. Bon, c'est une roulette critique. Et le destin qui passe, il reste 3 PA pour des bons du félin. Panda est stable. Ah non, il va mettre un esprit félin. Mais c'est un taré, lui. Et là, du coup, il est même pas en ligne de vue avec son ennemi. Et Vrak qui est toujours boosté, hein. Et encore un ECK pour Vrak, ça fait deux coups d'Arcadie dans le vent. Et la corruption sur le panda, mais du coup il n'y aura pas de corrupte ni de retraite pour la prochaine colère. Ah, c'est vrai qu'il y a le chaton qui donne les EC, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il a plus 13. Et oui, effectivement. Oui, la clé, le panda. Je comprends rien à ce qui se passe dans ce combat, vraiment juste... Coup de raison sur la kawotte pour on veut essayer d'avoir la ligne de vue sur son Eka. Et quoi, on se contentera d'un seul mot de sacrifice vu que ça a pris deux coups de cac. Et cette kawotte. Non mais vraiment j'ai du mal à suivre le combat. C'est le match de la peur là, parce que l'équipe qui perd est éliminée. Il y a énormément d'enjeux, puisque l'équipe qui gagne se retrouve sur serveur tournoi. Allez, faut commencer à sortir les roulettes là. Ok, roulette force que pour sa team. Qui ne crit pas, il va libé. On s'enfuit très très loin pour Garfield. Ouf. Et ouais, il y a la roulette force. Et relance PA du chauffeur lancier. C'est vrai qu'on est tour 7, hein, il y a les relances chauffeur. Oh, il se fait tacler par le chaton. Non mais ce chaton, il lui aura tout fait à Vrak. Il l'a fait EC deux fois, et maintenant il tacle. Et en plus, il lui a mis un coup de patte à 400. Oh là, il est énervé, Vrak. Ah mais il a la portée sur les nids, donc ça va taper sur les nids. Ah, j'espère que vous appréciez bien. Non mais Vrak, il se fait tenir en laisse par un chaton.
Allez, on est tour 8. Il y a la colère au prochain tour et il n'y a pas de corruption pour les bleus. Il va faire tenir Garfield. Relance Timu à plus 3. Plus il y avait les PA du Schaffer juste avant. Donc là ils sont bien niveau PA les bleus. Mais pourquoi ils mettent des clés réductrices et des Modimo à un panda? En plus le panda il a rien. Ah, Nadie à déco. Ça va, les nids viennent jouer, donc ça devrait être bon, mais... Il n'y a pas de reco instant, donc j'ai un peu peur. C'est bon. Et donc forcément, Nessou qui, bah, qui se débuffe, hein, le Modimo et la clé. On va chercher les K-flips, ça va debuff, ça essaye du moins. Dernière tenta, ça passe. Et là aussi, une relance PA plus 3. Garfield qui se retrouve en 12-4. Allez, Garfield. César qui va taper à l'arc sur Nessou. La recon c'est tour 12, hein, je crois. Pour les rouges, ouais, c'est ça. Il veut plus roulette. Il veut plus roulette, notre ami Garfield. Ah, c'est le match de la peur, là. Allez, il y a Machina, 1800 HP. Bon, Jeda, 17 PA. C'est vrai qu'on a quand même un Nénu avec une maîtrise critique et beaucoup de PA. Essaye de débuff le Yop. Oh, ça ne passe pas. Ok, c'est bon. Un seul débuff sur 4 fantômes. Alors on a notre match Eni qui part pour durer là. Et encore un SCK, et cette fois-ci c'est pas la faute du chaton. Ok, ça utilise la recon sans se poser de questions. Et voyez ouais, la colère ce tour-là. Et les nus à jouer. On a quand même enlevé des PA au Yop, donc il peut pas bon colère. Ah, il est à 8 PA. Ouais, non, ça va être compliqué. Plus Nessou, il a beaucoup de PM, mais il est en état sous. Donc il doit se debuff.
Il n'y a même pas les PA pour souffle coco. Oh mais c'est vrai que oui non mais on peut envoyer un colissimo là oui hop. Totalement faire ça. Il y a 46% de raise. Est-ce que c'est pas le moment de roulette? C'est là. Ok, c'est bien joué. Donc pas de colère. Rock la recharge quand même. Ah, il m'endort ce combat. Qui crit sa fanto cette fois-ci. Bon, y a pas besoin de debuff le Yop, on va détruire ce lapinot. Ah là, sans la roulette, le combat est un peu plus long quand même, même beaucoup plus long. Bah, tous les dégâts sont absorbés par les soins des Zenyripsa, même si... mais des coups de baguette, des coups d'arc, des coups de bâton. Le chat est plus violent que le combat. Et ça kick des critiques. Les Garfield. Et là, il n'y a pas de stab sur le panda. Ça va tenter le destin, mais ça ne crit pas.
Allez, guide d'amplif. Avec l'épouvante, il est plus 1 sur 2. Bah, ça dépend sur quel sort. Et malade masse, ça touche les nids ou pas? Ouais, ça touche les nids. Et ça crit. Quand ça crit, c'est 2 à 4. Ouais, 3 PA perdu par Nadi. Il y a une relance courue là, non? C'était tour 6, je crois qu'il l'avait posée. Il y a une relance courue. Mais il y a la coco au tour 13. Donc est-ce que ce serait pas... Ouais, ce serait mieux de la garder pour le prochain tour. Allez, prends ton temps le Doppel, voilà, réfléchis bien à ce que tu vas faire. On n'est pas pressé. Les gars, Félix fait des buffs, qui se fait souiller à fond. Et 5 PA de perdu. Exactement, Olivia. Mais Garfield, il a gardé ses roulettes dans la poche pour le moment. Il est au contact de Lenny. Il va juste retourner dans son côté. Ouais, un récop, trop bien. Panda, il est pas bien, mais bon. On avait dit relance tour 12 pour la reconce. Ok, ça courut Lenny, qui avait donc la relance reconce, donc c'est pas mal. Mais ça veut dire pas de corruption pour la colère. Et s'ils arrivent à tuer le panda avant la colère, c'est pas un problème. Ouais, c'est le but là, hein. Clairement pour Faded. Et un focus ce Pandawa. Il y a encore de quoi mettre un mot interdit. 568 HP, pardon. Ah ouais, t'es pas du tout dans l'abus, toi, Cops. Et ça veut légumiser les cas à fond. Va conserver 8 PA. Et avec 2 récop. Tellement il y a un kill panda.
Ça j'ouvre à l'esprit félin, ça me fume. Et les nuits devraient terminer. Il y a 10 PM sur Jeddah. Et Vrak, même si Libé, bon, relibé et tout ça, enfin, Jeddah peut juste terminer avec des roulages dans le pire des cas. Donc normalement, ça devrait le faire mieux. Il y a le sac en plus. Et de protéger le panda. Mais elle est pas sur la bonne ligne, la Rakné. Elle est là, la ligne du panda. Donc Jeddah, la ligne de vue. De toute façon, même sans ligne de vue, roulage de pelle. Ça tuait. Et c'est le kill sur le Pandawa. T'as compris le tour du. Bah, il voulait repousser les nus, mais il a pas capté le sacrifice. Elle a voulu protéger l'Iop avec l'Arachné. Mais de toute façon, il y avait rien à faire. Hein. Ouais, il pouvait taper les cas, mais. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu trade les cas, effectivement. Ah, et ben non, en fait. Ah, c'est grave. Là là. Le BO des enfers. Bon, et bien, du coup, GG à Faded League 2 hein, qui se qualifie pour le play-in du RWC. GG également à Troubagra qui a quand même fait un beau parcours. Il s'incline assez tard hein, dans le tournoi. Ils s'étaient qualifiés pour le top 15. Ensuite, ils ont gagné leur premier BO3. Et là, ils perdent malheureusement 2-1 contre cette équipe de Faded qui. Voilà. Qui est passé vraiment pas loin de ne pas se qualifier alors qu'ils étaient très bien classés au début.